et à toutes. Je suis Stéphanie du podcast Butterfly Créa. Donc, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, YouTube et Instagram. Avant de commencer, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2022. Que tous vos souhaits se réalisent, vos souhaits personnels, professionnels, pour vous et pour vos proches. Moi, je reviens après une longue pause, on va dire, sur YouTube. Je pense que mon dernier podcast date du mois de mars. Donc ça fait un petit peu, ça fait quand même quelques mois. J'ai cousu un petit peu, j'ai pas forcément tout partagé sur les réseaux. Avant l'été, j'ai fait ma valise un peu d'été, quelques petites affaires, mais quand j'ai voulu tourner le podcast, ben c'était plus la saison. Enfin bref, il y a toujours on va dire une excuse, parce qu'on va appeler ça des excuses, pour ne pas prendre le temps en fait de revenir. Mais en tout cas, c'est avec grand plaisir que je reviens là en ce début d'année. Donc on va reprendre. Alors là, ce que j'ai fait pour me remettre aussi un peu les traits à la couture, c'est que j'ai cousu des patrons que j'avais déjà réalisés. Donc ça va être un peu mes patrons chouchous, on va dire. Hein. Donc c'est déjà le deuxième troisième version de ces patrons, mais j'ai quand même réussi à faire des erreurs malgré tout. Mais bon, un peu peut-être la précipitation qui a fait que. Dans un premier temps, je vais vous parler de tricot. Donc j'ai un en cours qui date de je ne sais plus quand. Là, j'arrive vraiment à la fin. Donc il s'agit du châle Lapsang. Je l'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans des podcasts, plusieurs reprises dans des podcasts. Mais là, j'arrive vraiment au bout du châle. J'arrive vraiment au bout du châle. Hop, là, je ne vais pas pouvoir remonter grand-chose. Voilà. Il n'est pas bloqué. Donc là, j'arrive vraiment au bout du châle. Il me reste. Là, en fait, les aiguilles, elles sont là en bas. Il me reste 5 ou 6 rangs à faire. Bon, ce sont des rangs de. Je pense que ça va être super chaud. Ça va être super chaud. C'est un châle triangulaire. Je l'ai tricoté avec deux laines que j'ai. Alors, deux laines. Je vais vous montrer ça, qui sont du mohair de chez Tencturalen. Donc j'avais demandé j'avais fait une commande spéciale en fait pour avoir une couleur assortie avec celle-ci. Voilà, comme j'avais déjà montré, je pense, mais les deux comme ça ensemble, vous voyez, ça rend pas forcément. Là, je crois qu'on a la bonne couleur pour les deux. Oui, là ici, on a la bonne couleur. Ça rend pas forcément. Comme ça, séparé, ça fait pas forcément joli, mais une fois qu'elles sont tricotées ensemble, on a vraiment un côté lumineux. Le côté lumineux du mohair, en fait, qui vient prendre le pas sur l'autre laine. Alors, je pense que ça doit être du mérinos, je sais plus. Donc, j'ai même pas regardé avant. En tout cas, j'ai hâte de terminer. Je sais que la dernière fois, je vous avais déjà dit que. La dernière fois, je vous avais déjà dit qu'il serait fini, mais pas encore. Les deux fils que j'ai utilisés, donc c'est du mohair de chez Tencturalen, coloris crapaud, et là c'est du mérinos angora, je pense, de chez Boucle Laine, coloris verdier. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore de projet tricot. J'ai déjà pourtant, j'ai acheté de la laine pendant les vacances. Je vous la montrerai lors d'un prochain épisode. Là, on va tout de suite enchaîner avec la partie couture. Pour la couture, j'ai quatre ouvrages à vous montrer, dont un en cours, donc, qui est en cours depuis un certain temps. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Donc là, pour la couture, j'ai recousu en fait des patrons que j'avais déjà réalisés. Parce que j'avoue qu'en ce moment, au niveau proposition de patrons, je trouve que c'est un peu plat. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi. Vous pouvez toujours me dire en commentaire. Donc là, j'ai recousu des patrons qui m'allaient bien, que j'aimais bien, que je prenais plaisir à réaliser. Donc dans un premier temps, j'ai cousu la Whistler culotte de Cosette Corpa, de Closette, Hélène, de Hélène Closette. Donc, voilà. Donc, c'est en fait, c'est une jupe culotte avec une proposition de 4 longueurs. Donc, en short au genou, en midi ou bien jusqu'aux chevilles. Moi, j'ai fait cette version-là. Donc, c'est la troisième que j'ai réalisée. Je l'ai réalisée en gabardine rouille. Donc, je vous montre tout de suite ma réalisation. Je pense que vous l'avez déjà vue sur les réseaux. C'est la photo que j'ai mise il y a peut-être 3 semaines, peut-être un mois et demi, je pense, sur Instagram. Donc, voilà ma réalisation.
Alors là, est-ce qu'on a la bonne couleur? Non, on n'aura pas la bonne couleur. Donc en fait, c'est une jupe culotte rouille en fait avec une ceinture plate, une ceinture devant et la ceinture élastiquée à l'arrière. Donc là, élastiquée à l'arrière, en fait, c'est un hack du patron parce qu'initialement, le patron prévoit une fermeture éclair invisible. Mais sur le site, en fait, il y a plusieurs en fait déclinaisons pour faire des fermetures éclair invisibles ou de mettre en élastique, etc. Donc en fait, il y a des poches qui sont prises dans la couture. Des poches dans la couture. Pareil sur le site de Hélène Closet, on peut faire des poches italiennes. On a normalement en fait dans la version originale deux plis creux devant et deux plis creux au dos qu'on ne réalise pas en fait pour la version élastiquée. Alors c'est un patron qui est hyper facile à réaliser. Là je l'ai réalisé dans 1 mètre 50 de tissu, je pense. 1 mètre 50 de tissu, voilà, pour la version en fait qui arrive au genou. 1 mètre 50 de tissu. Il n'y a pas de difficulté particulière. Les marges de couture sont comprises. Par contre, le patron est en anglais. Donc, mais le pas à pas est vraiment bien, bien détaillé, bien expliqué. Il n'y a pas forcément de difficulté particulière. Si, non, si ce n'est, bon, à l'intérieur, tout a été surjeté, voilà, etc. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. Franchement, c'est un patron que j'adore parce qu'il est très, je trouve qu'il est très, enfin, quand on le met, c'est élégant, ça reste confortable. Alors là, pour aller avec ce patron, j'ai pas encore cousu, mais j'ai un tissu qui pourrait en fait, pour faire une petite blouse. Bon, c'est assez automnal, je dirais. Hop, c'est assez automnal, mais je trouve que les deux vont vraiment bien ensemble. Voilà, donc je vais trouver un patron de chemise ou de blouse pour en fait accorder les deux. Faut dire que je l'ai beaucoup déjà énormément porté et le tissu est de super bonne qualité. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé du tout. Je l'ai énormément porté et je suis vraiment ravie, ravie de ce résultat. Et puis du futur combo là qui va. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Vraiment très sympa. Donc là voilà pour le premier patron. En deuxième ouvrage que je voulais vous montrer, c'est pareil, c'est un tissu que j'ai acheté en Belgique également. Donc déjà c'est pareil, c'est avec une taille élastiquée. Je vous montre, c'est le pantalon commun. Le pantalon commun de chez Anne Kerdiles. Je pense que c'est l'une des premières, vraiment des premières créatrices que j'ai découvert en fait au niveau dans l'univers des patrons indépendants. Et j'avoue que ça m'a fait un peu quand même mal au cœur parce que j'ai appris que, enfin tout ça, elle a annoncé sur les réseaux en toute fin de 2021 qu'elle arrêtait son activité. Donc je pense qu'au niveau pour son site, elle n'aura plus, on peut plus accéder en fait à ses patrons. Par contre, aussi, il y a des revendeurs, je pense que vous pouvez encore trouver ses patrons. J'adore en fait j'adore le design de ses pochettes. Alors donc c'est le pantalon côme. Donc c'est un pantalon un peu style carotte 7/8 avec des fentes aux chevilles et des poches italiennes. Et des plis devant et une taille élastiquée à l'arrière. Donc, alors pour le modèle précédent, je crois que il va de la taille 16 à la taille 30, donc vraiment une grande en taille américaine. Donc vraiment une grande gamme de taille. Et pour celui-ci, il va de la taille 34 à la taille 48. J'ai pas précisé pour le modèle précédent, moi j'ai fait une taille 18 et pour celui-ci j'ai fait une taille 44. Une taille 44, voilà. Donc je vous montre en fait mon pantalon commun. Hop. Je montre le pantalon commun de chez le tissu en fait c'est un tissu avec des micro-motifs rose, violet, noir. Voilà, donc rien d'extraordinaire. Là, nous avons une fente au niveau de la. Oups là. Une fente au niveau de. Je sais pas, je vais réussir à vous montrer. Voilà, une fente au niveau des chevilles, 7/8, aucune difficulté particulière. Donc, pareil, taille élastiquée. J'avoue que j'ai fait quand même pas mal de taille élastiquée parce que j'ai un peu le poids qui fluctue. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique d'avoir un. Il faut réajuster un peu l'élastique, ben on défait et puis on resserre et puis ça va aussi bien. Donc, avec des poches italiennes, comme je vous avais.
comme je vous ai dit, des poches italiennes. Aucune difficulté particulière. Bon, tout a été également pareil, surjeté. J'ai fini là, j'ai fini la ceinture. J'ai fait une petite couture à la main. Je trouve que c'est un peu plus, c'est plus joli quand même, une couture à la main à l'intérieur. Parce que j'ai toujours beaucoup de mal finalement à en y mettre, à coudre là, vraiment à 1 mm du bord. Donc finalement, à la main, je me dis que c'est peut-être un peu plus simple, ça prend un peu plus de temps, mais le résultat est beaucoup plus joli. Donc voilà, je vais vous incruster ou mettre un. Oui, encore une trace de. Il y a un petit pli. Alors, sur celui-ci, moi je n'ai réalisé. Enfin, la seule modification que j'ai réalisée, c'est le. J'ai raccourci de 5 cm. Donc c'est un 7/8. Moi, ça me faisait un pantalon long, du coup, parce que je suis petite. Donc du coup, j'ai réduit en fait de 5 cm. Et sur le patron, il y a une ligne en fait qui permet de savoir où est-ce qu'on peut réduire ou raccourcir, réduire ou rallonger le patron. Donc il est un peu taille haute quand même, donc parce on remarque qu'on est vraiment une grande, on a vraiment une grande fourche, hein. Vraiment une grande fourche. Il est quand même, il est un peu taille haute, mais moi j'aime bien. Il est vraiment très confortable. Ça change en fait un peu du jean et puis sans et ça reste et puis ça fait habillé, habillé. J'avoue que moi je suis en ce moment, je suis énormément en télétravail et que j'ai besoin de vêtements confortables. J'ai pas envie d'être en pyjama non plus pour travailler parce que c'est pas trop mon style. Et donc c'est vrai qu'avoir des vêtements comme ça avec taille élastiquée, c'est vraiment très agréable à porter. Et puis on reste quand même confortable même si sans être habillé comme un sac. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est le deuxième ouvrage de chez le tissu. C'est une gabardine aussi imprimée. Je pense que c'est une gabardine imprimée de chez Établissement Berger à Bruxelles, je pense. Ensuite, nous allons passer au troisième ouvrage. Il s'agit d'un sweat, en fait, du sweat Monceau de Cozy Little World. Donc, je vous ai déjà présenté ce patron également. C'est le snowsurf. À chaque fois, je me trompe. C'est le sweat Courcelles et le gilet Monceau de Cozy Little World. Donc, ça va être ma troisième, je pense, troisième version. Alors là, j'avais fait une version sweat, une version gilet également. Donc, pas grand chose. Moi, enfin, j'ai alors sur ces patrons de chez Cozy Little World, les marges de couture ne sont pas incluses. Il y a une les tailles vont du 34 au 52, sachant qu'en fait, il y a deux patrons différents selon les gammes de taille parce que c'est pas du tout les mêmes on y met mensurations de base en fait. On peut pas utiliser un patron de 34 pour faire une taille 54, c'est pas on peut pas juste grader comme ça. Donc il y a vraiment deux patrons différents selon la taille qu'on fait. Que dire de plus, j'ai utilisé 1,50 m de tissu, c'est une maille en fait, une maille un peu chinée et que j'ai utilisé pour réaliser ce patron. Donc en fait, j'ai fait le sweat Monceau. J'ai fait aucune modification particulière. Donc faut se dire que du coup, comme c'est un tissu qui est assez souple, hein, donc là est-ce qu'on a la bonne couleur du tissu ici? Ah, là c'est bien. On a la bonne couleur. Ça fait effet pailleté, mais en fait c'est plus chiné qu'autre chose. Et comme le tissu est assez, du coup ça me fait un grand pull à mettre. À la maison, je trouve qu'il va bien aussi avec, sans avoir voulu forcément, comment on dit, fait exprès. Je trouve qu'ils vont bien. Est-ce qu'on a la bonne couleur? Enfin, bref. Donc, aucune difficulté particulière. Tout a été fait à la surjeteuse. Il m'a fallu 1,5 m de maille. Du coup, 1,5 m. Là, on a la bonne couleur. Ici, on est bien. Ici, on a la bonne couleur. 1,5 m de maille. Alors, j'ai quand même réussi à faire une erreur dans la coupe en fait ma bande d'encolure. Donc, du coup, ça fait, au lieu de couper au pli, j'ai coupé deux morceaux. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc, du coup, j'ai un petit retour ici. J'avais pas assez de tissu vraiment pour recouper. Pour recouper, pour être dans le droit fil. Donc, du coup, j'ai fait le raccord qui se voit là. C'est pas dramatique, de toute façon c'est voilà. Donc il fallait qu'il y ait quand même un loupé à un moment, bah il y a un loupé. Voilà. Donc j'aime bien, j'adore ce petit pull finalement, c'est même pas un sweat, du coup c'est un pull.
qui est vraiment chaud, qui est super doux et que j'aime beaucoup. Donc moi j'ai cousu en taille 48 avec avec l'élasticité du tissu, ça fait un peu un effet loose, mais pour pareil comme je dis pour télétravailler, écoutez, c'est parfait, 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 parfait. Ensuite, donc là, c'est le troisième ouvrage que j'ai réalisé. Et la maille, je l'ai achetée dans un magasin, dans une mercerie qui est pas très loin de chez moi, à Saint-Omer. Donc, c'est la mercerie qui est dans le centre-ville. Alors, pour celles qui habitent le secteur et qui ne savent pas, ils font du tissu maintenant. À l'époque, il n'y avait pas de tissu, il n'y avait vraiment que de la mercerie pure. Mais ils ont maintenant un bel étal, en fait, avec des tissus qui sont très, très, très jolis. Pour terminer, alors l'année dernière, j'avais cousu, j'avais un peu peur en fait de me lancer dans la couture du manteau magnésium. Donc j'avais fait une version vraiment de base du manteau magnésium. Et cette année, c'est ce qui a un peu fait que j'ai traîné même à recoudre et à refaire des podcasts parce que je sais qu'en couture, je suis monoprojet. Et j'avais un gros projet en tête, le décalquage du patron, la coupe du tissu, la mise, etc., la mise en route de l'ouvrage. J'ai été un peu long, donc du coup, comme je suis monoprojet, je suis restée vraiment focalisée sur ce projet-là, ce qui m'a pas permis d'avancer. Il n'est toujours pas terminé, je suis arrivée au stade des boutonnières, donc ça m'a quand même libéré le cerveau, en fait, de me dire, il ne me reste que les boutonnières à faire, donc je peux éventuellement passer à autre chose. Donc, je vous montre tout de suite, en fait, l'ouvrage dont je vous parle. En fait, bon, on voit pas, j'ai pas beaucoup de recul, en fait. Il s'agit, en fait, du trench magnésium de Ivan Soufflet. Donc, j'ai mis une petite étiquette que j'avais acheté il y a quelques temps, du trench magnésium d'Ival Soufflet. Alors donc du coup, moi les options que j'ai choisi un col Claudine, comme vous pouvez le voir, un bas volet au dos, les pattes des pattes d'épaule en fait, les pattes de manche qui sont les pattes de manche qui sont là. Et avec des passants en fait, voilà. Donc en fait, il est bleu marine. Donc voilà, hop, il est bleu marine. Pour la doublure, j'ai opté pour une. Pour la doublure, j'ai opté pour un. J'ai pas beaucoup de recul, hein, franchement. Là, je me suis mise là aujourd'hui parce que je suis en train de ranger mon atelier et j'ai un peu de bazar à l'endroit où je mets habituellement et j'ai très peu de recul, donc je suis vraiment navrée. Alors, et en doublure, j'ai mis en fait un coton simple imprimé et puis un tissu spécial doublure pour les manches pour que ça puisse glisser en fait correctement. Entre deux, j'ai rajouté j'avais pas de passepoil, du coup j'ai mis un biais replié. Voilà, un biais replié. Les difficultés que j'ai eues pour cet ouvrage, donc c'est aucune difficulté particulière à part au niveau de la coupe du tissu. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Alors comme je disais la dernière fois, le premier ouvrage que j'ai fait, c'était une version vraiment très simple, hein, avec un simple boutonnage. Donc à un moment, je me suis trompée, j'ai repris les pièces. Donc, au niveau de la parementure, ces pièces au niveau de la parementure, au début, j'avais coupé pour une croisure simple. Une croisure simple. Donc, j'ai dû en fait rajouter un morceau ici. Donc là, j'ai une couture en fait ici. J'ai une couture dans la parementure. Je l'ai fait en deux pièces finalement. Donc là, normalement, il ne doit pas avoir ici de couture. Et moi, en fait, j'avais coupé ma parenture pour une croisure simple. Et en fait, que moi, là, ça serait une croisure double. Donc, j'ai dû rajouter, en fait, cette partie-là. Cette partie-là. Donc, en rajoutant, évidemment, en fait, les marges de couture. Bon, ce n'est pas très compliqué. Mais bon, donc, du coup, si j'ai une couture à l'intérieur qui se voit ou pas. Mais bon, ben, bref, en le sachant, mais ce n'est pas forcément choquant. Ce n'est pas gênant. Ensuite, ce que j'ai fait, là, je voulais un trench long, mais je ne sais pas ce qui m'a pris pareil. Quand j'ai cousu la version de l'année dernière, le manteau de l'année dernière, je mettrai les photos en incrustation. J'avais fait une version au genou, et là, je voulais un trench à peu près mi-mollet, je pense, et je me suis trompée en coupant. Donc, du coup, j'ai coupé, donc j'aurai une version qui sera au niveau du genou. Un trench.
Voilà, donc après, aucune difficulté particulière. De toute façon, une fois qu'on a monté déjà une veste, on n'a pas de problème particulier. Hein. J'aime beaucoup la doublure. Lorsque j'ai fait le bas volet, je l'ai doublé en fait avec le tissu de doublure pour avoir en fait pas trop d'épaisseur, on va dire. Et j'ai fait la même chose au dos. Au dos, j'ai fait la même chose au dos pour pas qu'on ait en fait trop d'épaisseur de tissu. J'ai essayé de faire des surpiqûres aussi. Elles sont pas parfaites, mais bon, ben voilà. Je suis plutôt contente du résultat. Là, il me reste à faire. Ce qui me reste à faire, ce sont les Alors, je sais boutonnières. pas Si on va voir quelque chose. Voilà. Donc ça va être voilà, au niveau des boutons, ça va donner. Ce sont ces boutons-là que j'ai choisis pour aller avec. Voilà. Donc j'ai une dizaine de boutons à mettre devant. J'ai des boutons des pattes d'épaule, pattes de manches et au niveau du bas volet au dos. Donc c'est ce que j'ai à faire pour finaliser ce trench que je mettrai, je pense, dès le printemps. Donc voilà. C'en est tout pour la partie couture. Et pour finir, bon, j'ai pour finir, je voulais vous présenter deux ouvrages en de fait Dimitri et Katerina sur un fond donc qui commence en 1917, donc on va dire quasiment à la fin de la Première Guerre mondiale. L'histoire se déroule à Thessalonique et on va suivre en fait le parcours de ces deux enfants. Donc Dimitri qui naît en fait le jour d'un incendie dans l'incendie de Thessalonique. Et sa famille en fait est obligée en tout cas sa maman est obligée de migrer dans les quartiers pauvres de Thessalonique, sachant que lui en fait à la base son papa est à la tête d'un empire textile. Donc on sait qu'il est voué, on pense qu'il est voué en tout cas à comment dire prendre la relève de son papa. Donc on suit en fait l'histoire de ces deux personnages, Katharina et elle qui arrive là à Thessalonique du fait des déplacements de population qu'il y a eu pendant la guerre. Et donc on va suivre leur parcours sous fond historique, sur fond de tissu, sur fond de belle étoffe, sur fond d'art du fil. Et donc moi j'ai vraiment aimé ce livre et j'ai vraiment pensé à vous. Et puis la plume de Victoria Hislop est vraiment, enfin, on se sent en Grèce. Je ne suis jamais allée en Grèce, mais moi j'ai lu ça l'été dernier et j'étais embarquée, emportée. Je sentais la chaleur du soleil, j'entendais le bruit de la mer. Enfin bref, c'était vraiment extraordinaire. J'ai vraiment adoré cet ouvrage de Victoria Hislop. Le fil Le des fils. deuxième ouvrage dont j'ai envie de vous parler, c'est No Home de Ya Gyasi. Voilà, je vous présente la couverture. C'est un ouvrage qui parle de la traite négrière, de l'esclavage en fait. C'est l'histoire de deux demi-sœurs. Donc l'une qui sera donc qui commence ça commence au XVIIIe siècle sur les côtes africaines en fait sur la côte ouest africaine donc qui était vraiment un berceau de la traite négrière en fait. Et c'est l'histoire de deux demi-sœurs. Donc l'une qui sera vendue comme esclave. Qui va être du coup partir pour les Amériques en fait, et l'autre en fait qui sera elle mariée de force à un esclavagiste blanc, donc du coup qui aurait une descendance en fait du coup métissée, mais avec un côté esclavagiste. On va suivre les deux le parcours de la descendance de ces deux filles pendant 3 siècles. Donc à chaque chapitre, on va avoir l'histoire du fils, de la sœur, de ses petits-enfants, de ses petits-enfants, etc. Et c'est vraiment passionnant parce qu'on voit au fil du temps l'impact en fait de cette traite négrière sur les gens. Donc aussi bien pour ceux qui sont restés, on va dire, sur le continent africain, que pour ceux qui sont partis en fait contre leur gré dans travailler dans les champs les champs de canne à sucre et de coton dans les Amériques. Donc moi j'ai vraiment vraiment aimé parce que ça nous permet en fait de comprendre beaucoup de choses, de comprendre pourquoi, enfin beaucoup de choses. Et là c'est très très fluide, c'est très facile à lire. Moi je l'ai lu vraiment hyper rapidement. On est tout est décrit en fait un peu les coutumes ancestrales africaines,
comment en fait certaines choses se sont du coup retrouvées de l'Afrique aux États-Unis, les évolutions que ça a pu avoir en fait, l'évolution que ça a pu avoir, ne serait-ce que simplement même par exemple en matière culinaire, des choses comme ça. Donc c'est très très intéressant, je vous conseille beaucoup cet ouvrage. Je vous laisse maintenant en espérant que cet épisode vous ait plu, en espérant que vous avez été quand même contente de me retrouver. Dites-le-moi en commentaire. Je reviens relativement vite, je pense, parce que j'ai quand même des ouvrages qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de réaliser assez rapidement. Pensez surtout, en tout cas pour soutenir la chaîne, à vous abonner, et puis mettre un pouce, en tout cas, pour soutenir mon travail et puis me remotiver à venir vous faire un petit coucou de temps en temps. Je vous dis au revoir. Et à très vite.